Bonjour, je suis Prakit Saipon, je suis directeur de la communication de l'Office national du tourisme de Thaïlande. Nous sommes très heureux d'être présents ici dans le salon Top Resa. C'est vrai, c'est la première année à Paris, mais nous souhaiterions présenter la Thaïlande auprès des professionnels qui s'intéressent vraiment de venir travailler ici à Top Resa à Paris. Donc la Thaïlande cette année, on a essayé de promouvoir la Thaïlande en prenant les différents thèmes du pays. Donc nous parlons de la culture, la nature, bien-être, tendance et également les sites historiques sans oublier les festivités et les tendances. C'est pour cela que nous sommes là pour parler de la Thaïlande avec nos réceptifs. Il y a des réceptifs qui sont venus directement de la Thaïlande, la compagnie aérienne régionale et aussi des hôtels. En sachant que cette année, nous souhaiterions parler du mariage traditionnel thaïlandais, parce que la Thaïlande, on a des destinations pour proposer le voyage de noces. Et nous souhaiterions aussi de parler pour la Thaïlande, pour le mariage traditionnel. C'est pour cela que nous souhaiterions avoir des collaborations avec des opérateurs en France, de parler, de proposer le mariage traditionnel en Thaïlande. Bien sûr, la Thaïlande, c'est une destination très, très intéressante pour les Français parce que chaque année, nous avons presque 400 000 visiteurs français en Thaïlande. Parce que la Thaïlande, on a la réputée pour l'hospitalité d'accueil et la qualité de service. C'est pour cela, chaque année, nous avons plus que 50% des visites. Ce sont des gens qui sont déjà visités de la Thaïlande. Donc, il vous reste que vous et votre famille, si vous souhaitez de venir nous rencontrer, n'hésitez pas de contacter votre agence de voyage pour préparer votre voyage. Surtout, la bonne période pour partir en Thaïlande, c'est de novembre jusqu'à fin avril. Un seul mot, j'aimerais avoir l'occasion de vous accueillir dans notre magnifique pays, la Thaïlande. Et encore une fois, j'aimerais également vous remercier pour votre soutien auprès de notre pays pendant notre différentes situations qui s'est passée. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.